Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Yann Gaël Amghar, directeur général de l'ACOSS, la Caisse nationale des URSSAF. Bonsoir Yann Gaël Amghar. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. L'ACOSS, pour faire simple, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, c'est la banque de la Sécu. Et c'est les URSSAF. Et des URSSAF. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est important ce dont nous parlons ce soir. Les redressements infligés aux entreprises qui ont fraudé pour ne pas payer de charges sociales atteignent un niveau record pour l'année 2018, 640,7 millions d'euros. Il y a eu 5000 contrôles ciblés, 88% ont donné lieu à un redressement. Alors ce record, il est dû à quoi? Est-ce qu'il y a plus de fraudeurs ou de meilleurs contrôles? Alors, peut-être d'abord dire pourquoi on fait tout ça. C'est que tout ça, c'est bien entendu pour lutter contre une perte pour les finances de la sécurité sociale, mais aussi parce que derrière, l'enjeu, c'est de garantir que les salariés ont bien une couverture sociale. Et c'est aussi c'est ça l'enjeu de la lutte contre la dissimulée. Et alors, pourquoi les résultats progressent? Il n'y a pas eu plus de contrôles, c'est pas que la fraude augmente. On mesure la fraude au travail dissimulé chaque année avec des contrôles aléatoires. Elle est à peu près stable. Les progrès, c'est parce que on a, depuis plusieurs années, et c'est une stratégie qui paye particulièrement en 2018, chercher à se mobiliser sur les fraudes à gros enjeux, c'est-à-dire les très gros dossiers qui sont souvent des dossiers avec des gros enjeux financiers, beaucoup de salariés concernés, des montages souvent plus complexes et qui nécessitent parfois des investigations de plusieurs années. Des montages plus complexes, on comprend, de plus gros dossiers, ce qui explique l'inflation sur le montant hein, de ces redressements. Vous croisez les différents fichiers. Aujourd'hui, tout est numérisé. Vous avez des possibilités avec ce qu'on appelle les data, les données, de retomber sur vos pieds, de repérer finalement des fraudes plus facilement aujourd'hui. Alors tout à fait, parce que on a des champs de données qui se sont enrichis avec le développement de la déclaration sociale nominative, parce que les technologies de type big data permettent de davantage forer les données. On utilise ces technologies pour toujours mieux cibler. On peut encore progresser en la matière, on a encore des travaux en cours pour toujours mieux exploiter ces données et mieux cibler les contrôles. Alors et notamment se cibler sur les grands enjeux financiers. De votre côté, il y a ces évolutions dont nous parlons. Quand on regarde le profil des fraudeurs, des entreprises où l'on trouve de la fraude aux URSSAF, on retrouve à peu près les mêmes profils comme souvent, la construction, la restauration, le commerce. Alors, on a des profils de fraude très variés en termes de taille d'entreprise. Il faut en tête que sur les 640 millions que vous avez mentionnés, plus de la moitié de ces 640 millions sont concentrés sur 100 redressements, 100 contrôles, qui ont dépassé chacun 1 million d'euros de redressement. Donc, les très gros enjeux, ils sont sur des très gros dossiers qui représentent du coup plus de la moitié de la masse. Et après, on a une fraude plus diffuse. En termes de secteur, effectivement, la moitié des rendements, c'est lié à la construction. Mais on a aussi tout ce qui est services administratifs aux entreprises du type sécurité, gardiennage, centre d'appel. On a les transports, transports routiers. On a le commerce, la restauration. Chaque année, on fait en sorte de mesurer l'ampleur de la fraude dans différents secteurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1.